Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Tinikin. On avait fini les hauteurs de Foliana en récupérant le grand entonnoir et on allait aller à Balnéa. C'est parti! Donc, comme je le disais, on a récupéré le grand entonnoir. Il nous reste trois artefacts à récupérer. Le prochain est les ciseaux de Balnéa. Donc, on va allez le chercher. On se doute bien que ce sera pas le plus simple. Donc, il paraît qu'il faut passer par Foliana. Donc, Foliana, on n'a plus grand-chose à y faire. Il est en avancée, Milodan. Mais tu peux continuer à explorer les endroits déjà visités si tu le souhaites. L'accès à Balnéa se trouve au bout du tunnel en contrebas. Emprunte-le dès que tu es prêt. Et je me souviens que c'est tricky. Non mais tu descends, voilà, t'es descendu. Voilà. Le tunnel pour aller à Balnéa. Que je reprenne la commande. C'est ça, c'est celui-là que je veux, moi. Hop. Donc, ça c'est fastoche. Ça c'est fastoche. Ça c'est fastoche. Ça c'est fastoche. Ah, c'est pas celui auquel je pensais. Il y en a un. Bah c'est peut-être bien pour la cuisine du coup, qui est plus compliqué. Où on passe également par les égouts. Vous êtes sûr qu'on a fait ce qu'il fallait? Je ne sais pas vraiment. Je dois protéger le sommeil de mes administrés coûte que coûte. Quand bien même mon âme en soit damnée. C'était méchant quand même. Heureusement qu'on a un Kenito. Sans les objets que nous avons dissimulés, la fête est finie. Et nous devrions avoir la paix quelque temps. Rentrons nous reposer. Et voici donc les termes de Balnéa, le temple du papier toilette, si on peut dire. Maître Milodan, bienvenue! Je suis le maire de la fosse des poussiers. J'ai appris que vous étiez à Balnéa pour notre composant. Je voudrais vous le céder sur le champ, mais j'ai fait une grave erreur et j'ai besoin de vous. Nous avons des voisins, des poissons d'argent, qui vivent de l'autre côté du mur. Ils ont un tempérament différent du nôtre. Ils aiment faire la fête, du bruit, des éclaboussures. La nuit dernière, ils ont mené mes administrés à l'insomnie. Et nous avons frôlé l'inondation! Sans autre choix, j'ai dû commander le sabotage des festivités pour que le calme revienne. Malheureusement, depuis, les poissons d'argent sont anéantis. Ils ne veulent plus entendre parler de nous et je crois même qu'ils nous ont emprunté les ciseaux de la ville en représailles. Je regrette, Maître Milodan, je vous supplie de m'aider à réparer ma faute. Il y a une bouche de ventilation juste là-haut qui mène à l'oratrium. Mon adjoint Tastiquette doit être en train de parlementer avec eux. Pourriez-vous la rejoindre? Et j'adore ce design de pièces juste. Ces tours de PQ. Donc on va. Bien évidemment, essayer de récupérer des Tinikin, hein, parce que forcément, au tout début, c'est un peu plus compliqué sans Tinikin. Et donc, on découvre des Tinikin bleus qui sont électriques. Vous avez rencontré mon autre cousin, Timorai? Il était à Sanctar, comme vous. Apparemment, les punaises y sont de passage. Au moins, lui doit avoir le ventre plein. Donc, on va essayer de d'explorer un peu.
Bousier et poisson d'argent vivent ensemble. Une bien étrange colocation, n'est-ce pas? Pour certains, les ténèbres permettent de se cacher aux yeux du monde. Pour d'autres, elles sont un terrain de jeu pour exercer ses vices. Et on va devoir du coup, eh ben, aider les deux. Les deux moitiés, puisqu'en fait, cette zone est séparée en deux. D'un côté, les bousiers, de l'autre côté, les poissons d'argent. Maître Milodan, c'est plus grave que ce que l'on pensait. S'il n'y a plus de fête dans l'atrium, il ne reste plus rien pour nous à nettoyer au petit matin. Si, j'en ai quelques-uns. Oui, je peux grimper quand même. J'étais pas sûre. Ah, j'en ai laissé en bas. C'est gentil de venir nous parler. Beaucoup nous qualifient de dégoûtants, sales. Pourtant, c'est grâce à notre mode de vie que la maison reste propre. Enfin, on a de quoi manger grâce à ces gens, je ne me plains pas. Oh, désolé. Je ne vous ai pas entendu. J'étais en train de prier Arduin. Le temple de Sanctar n'est pas très accueillant envers mon espèce, alors la plupart d'entre nous restent dans leur petit coin. Hop. Donc il y a quelque chose à grimper. On va déjà essayer de rattraper tout ce qu'on peut attraper facilement, histoire d'avoir un petit peu de provisions. Je veux la poubelle. Ok, on a ouvert la poubelle. Parfait. Ça va pas nous aider des masses, mais quand même un peu. Allez, prenez donc vos trois petits pains. Mais je n'en avais demandé que deux. Pardon, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. C'est trop, je ne peux pas accepter. S'il vous plaît, prenez-les, ça me fait plaisir. Impossible, c'est bien trop généreux de votre part. Prends-les, tes petits pains, ou je t'en colle un. Hop, ici, on a une prise électrique. Et on a des tinis électriques. On va tout de suite regarder un peu comment ça fonctionne. Donc j'ai un petit nid électrique, si je le mets assez proche. Voilà. On a allumé la lumière. Fastoche. Alors on a dit qu'on avait oublié quelque chose par là, à pied. Voilà, on oublie cela. Parfait. Alors, est-ce que j'ai fait tout ce que je pouvais faire à pied? Je peux grimper là. Alors là, il y a de l'eau. On va pas y aller dedans. Hein. On sait que l'eau, c'est pas bon pour notre combinaison. Par contre, je peux grimper ici. Et maintenant que j'ai des tinis explosifs, je peux faire ça. Je peux faire ça. Jack, il me manque tellement. Lui et ses petites écailles d'argent. J'y pensais comme si des centaines de cure-dents me transperçaient en même temps. Maître Milodan, ma famille est persuadée que côtoyer un poisson d'argent me causera que des soucis. S'il vous plaît, faites-lui porter ce cadeau. Jack n'est pas très bon nageur. Aussi ai-je pensé à lui offrir une planche aussi insubmersible que notre amour. Et donc, on a découvert une des quêtes secondaires. Et on va absolument pas la prendre, hein, déjà, parce que ça nous demande 8 Tinikin roses et qu'on n'en a pas 8. Et aussi parce que ça demande d'avoir décoincé le chemin qui va bien jusqu'à Jack, et que pour l'instant, ben, ce n'est pas le cas. Donc, j'ai pas envie de me retrouver coincé avec nos Tinikin en moins. On va pour l'instant les économiser. De toute façon, on a la quête ici, hein, qui nous dit livrer les cadeaux de Jack et Rose. Donc
On devrait pouvoir s'en sortir et retrouver un petit peu tout ça. Et si j'oublie, j'essaierai de me souvenir où ils sont, tout simplement. Parfait. Ah, il y a des petits bleus par là. Il y a des petits rouges ici. Maman? Arduin, c'est qui exactement? C'est compliqué, enfin, on ne sait pas vraiment. Arduin, c'est quelqu'un qui veille sur nous. C'est pour cela qu'il faut lui dire merci, tu comprends? Je sais pas. Pourquoi on va pas le voir à la cathédrale de Sanctar? Arduin est gentil. Il aide autant les gens qui s'assoient dans les grandes cathédrales pour prier que ceux qui le font chez eux dans leur chambre. Ah ben, merci monsieur Arduin. Merci d'être gentil avec tout le monde. Hop. On peut grimper ici. J'ai pile poil. Pile poil. Pile poil ce qu'il faut si je saute pas n'importe comment. Par contre, il y a des choses beaucoup plus haut que je ne peux pas faire. Parfait. On pourrait aller par là, peut-être à un moment. Il y a des choses aussi à ce niveau-là que j'ai pas faites. On va voir, hein. Pour l'instant, on ne se pose pas de questions. On va en ligne droite. On essaye d'être un petit peu quand même stratégique, mais... Voilà, je pourrais redescendre déjà, c'est pas mal. J'ai clairement pas assez pour monter, hein. Je pense pas pouvoir aller sur la tranche du livre ou quoi que ce soit d'autre. Alors, ici, il y a des choses. Hop, parfait. Ici, il y a des choses. Parfait également. Il y avait des choses en bas. Je vais peut-être aller en bas d'abord. Parce que j'ai l'impression que là, si je continue comme ça, je vais monter. Je vais monter d'un côté ou de l'autre. Mais dans tous les cas, je vais monter à des endroits qui me feront oublier ceci. Me feront oublier cela. En espérant pouvoir remonter. Non, j'ai pas assez de tiny verts. J'allais dire violets. Non, non, mais ils sont pas violets, ils sont verts. Donc, par ici. Ici, on grimpe. À droite ou à gauche, on est sur le bouton de la chasse d'eau. Ici, ça paraît un chemin pas mal. J'ai assez de tiny pour grimper. C'est pas un cul-de-sac. Dommage. Ouais, c'est pas un cul-de-sac et ça continue de monter. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va voilà, débloquer le chemin pour remonter. On va donc finir ici, les petits rouges. Des petits rouges par là aussi. Est-ce que j'ai assez de tiny vert? Je suis pas sûre. J'ai pas assez de tiny vert. Ouais, c'est ça. J'ai pas assez de tiny vert pour ça. C'est un peu ballot parce que je risque d'oublier que j'ai pas eu assez de tiny vert. Voilà, sauf si tout simplement j'ai pas assez pour aller plus loin, ce qui est parfait. Ah, du coup, on va là. On va casser cette chose-ci. C'est vrai que pour l'instant je les ai pas faites, les deux
les deux petites tiges, que les deux petits fils de soie. Hop, ici on vient là. On peut aller. Bon, on va le faire. On va le faire. C'est parti. Hop, je vais ici. Je récupère des tiny verres parce que de toute façon j'ai besoin de tiny verres. Hé, c'est enfin mon tour de faire le ménage. On casse absolument tout ce qu'il y a à casser. Et on grimpe sur les rouleaux de PQ. Voilà, on est le roi du PQ. Ah! Raté. Raté. Hop. Là, c'est bon. Ici, j'en ai vu aussi. Là. Il y a ça qu'on n'a pas cassé. Ah, j'ai un angle tout moisi. J'ai un angle tout moisi. Voilà. Donc on est pas mal. On va aller par ici parce qu'on n'est pas allé par là. Ton plat préféré, ma bouboule! Un McCrabs pour changer! Papa, il y a quelqu'un qui est entré! Oh, Milodan! Vous voulez un McCrabs, vous aussi? Tenez, c'est le dernier! Le restaurant qui le vend est de l'autre côté de l'atrium! Papa, il faut qu'on mange! Arrête de nourrir tous les inconnus qui passent chez nous! On va finir tous maigrichons! Tu as raison, bouboule! Je suis juste un trop peu régénéreux! Maître Jimmy Lodan, je vais devoir garder ce délicieux McCrabs, mais servez-vous un pollen si vous le souhaitez. Je tiens à vous aider dans votre quête. Et d'ailleurs, vu qu'on parle de pollen, je vais casser ceci. Voilà, ça nous débloque quelque chose au-dessus des rouleaux de PQ. Donc on va refranchir la montagne de rouleaux de PQ. Je prends ces petits copains ici. Il va falloir regrimper, mais surtout on notera que, eh ben, voilà, on notera que notre cher comparse, le brasseur, eh ben, tout simplement, quand on regarde par là, il est ben, derrière le mur, donc il va falloir débloquer son accès pour y arriver. Alors, on avait quelque chose dans la poubelle. Parfait. Hop. On a aussi des choses sur la brosse à chiottes. La brosse à chiottes. Ah bah, il y a des choses que je pouvais faire à pied. Maître Milodan! Quel honneur de vous rencontrer! Je ne suis que l'humble puisassier de la fosse. Je m'occupe de servir tout le monde en bonne eau fraîche. D'ailleurs, vous n'avez pas sali l'eau en passant par la cuvette, hein, n'est-ce pas? Ben oui, puisqu'on est passé par la cuvette des WC. On prend un petit peu d'élan, histoire de pas déranger. On va ici, dans la réserve à coton-tige. La capitale ne prend pas la peine d'envoyer des dynastes par ici. Enfin, nous n'en avons pas vraiment besoin. Il n'y a rien de valeur à voler. Et pas grand-chose à voir ou à faire. J'apprécie les ombres de la fosse, mais j'aimerais bien que Papy Latrimère me laisse voir le monde en dehors un de ces jours. Parfait! Parfait, parfait, parfait. On va aller récupérer ce qu'on a à récupérer tout en haut des rouleaux de PQ. On n'a pas non plus géré le lavabo.
Et on n'a pas non plus géré ça, et la cuvette des WC non plus d'ailleurs, tiens. Hop. Et du coup, je suis pas non plus montée ici, hein. Est-ce que j'ai assez? J'ai clairement pas assez. Donc ça, c'est bon. Je vais aller à la cuvette des WC. Hop. C'était évident, mais fallait le faire. Ensuite, en étant ici, là c'est un cul-de-sac. Est-ce que je peux grimper un peu? Pas suffisamment. Donc on va passer par l'autre côté. Où c'est qu'on peut monter étape par étape? Hop. Je vais monter un petit peu trop du coup. Donc on va faire ça. On va faire ça parce que si on peut pas du coup. Non, je suis pile poil au niveau que je voulais aller, c'est bon. Ouh, pas toujours évident. Hop. Voilà, ça c'est récupéré. On va dans le lavabo. Donc des petits tinis bleus. Des petits tinis rouges. On a l'air pas mal. Alors, on va juste du coup descendre là. Ah parfait, une lettre. Je n'ai aucune idée de ce que je pourrais vous dire, je suis désolée. Vous devriez écourter ce dialogue, j'ai peur de vous ennuyer. Et ici, on a des choses à casser. Plein de pollen. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Il y a plein de choses par là qu'on n'a pas faites. Par contre, ce que je vais refaire, en fait, c'est que je vais regrimper ici. Et on va prendre un petit peu de hauteur pour aller là. Tout simplement. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Il y a des choses par là qu'on n'a pas faites. Voilà, ça c'est fait. Ouh, ça c'est fait aussi, mais c'est pas ce que je voulais faire. On va pouvoir regrimper par ici. Par là. Hop. Des tinis. Non mais vous avez pas pris celui-là, voilà. Hop, des tinis, du pollen. Et c'est un cul-de-sac, donc ça s'arrête comme ça. Hop, on continue de grimper. Je pense qu'on est pas mal. N'oublie pas qu'on n'a pas pris tout le monde ici sur le pot de fleurs. Hop. Voilà, on va pouvoir grimper là. On va pouvoir grimper là. Une prise électrique. Voilà, ça c'est parfait. On va récupérer ça, on va débloquer ça. Il y a une grosse boule de pollen super loin, mais je pense qu'on est trop petit bébé pour aller la choper. Même en mettant tous les tinis du monde, je pense que on n'a pas assez de pollen.
de bulle de planeur. Ouais, on va se suicider. Voilà. Désolé, Milodan, je t'ai suicidé, mais il fallait. Et du coup, on va utiliser nos tinis électriques. Je pense qu'on est pas mal, hein. Sur la zone là, à part bah, du coup la bulle là qu'on peut pas choper. Voilà, donc on en a droit 11. Normalement ça se passe plutôt pas mal, hein. C'est-à-dire que 11, c'est... J'aurais rarement besoin d'autant que c'est noté. Et là... Mais sérieux? Alors... Je savais que ces petits accros à l'électricité nous seraient utiles! Astiquette se trouve derrière l'accès que tu as ouvert. Espérons que tu puisses trouver un moyen de l'aider. On ne va quand même pas laisser ces gens dans l'embarras. Et il nous faut vraiment les ciseaux de la ville. Et donc, on va passer de l'autre côté. De l'autre côté de la zone. Nous sommes sincèrement désolés, nous espérons pouvoir... Pff, non, c'est pas cool du tout. Maître Milodan, notre mère vous a expliqué la situation. On a toujours été bons voisins et vous avez plombé l'ambiance pour quelques décibels en trop. On veut plus de bousier dans l'atrium. Faut absolument que les fêtes de l'atrium reprennent. Les poissons d'argent sont au bout du rouleau et les ciseaux de la ville nous ont été enlevés. Ceux-ci sont des organisateurs, je crois. Pourriez-vous aller leur parler? Donc on a un nouvel objectif. Et comme on dit, hein, deux salles, deux ambiances. Hein, on voit clairement la différence. Et c'est juste magnifique. J'avoue, absolument adoré ce design. Oui, j'aurais pu prendre l'échelle depuis le début, mais non merci, c'est trop simple. Ah, il y a une lettre là. Je la vois. On va aller la prendre. Donc on n'a toujours pas trouvé la poste, hein. Elle va être de ce côté-ci, on s'en doute bien. Mais du coup, on a deux lettres. On va pouvoir lui donner une fois qu'on aura trouvé le postier. C'est terrible! Le pote Vin s'est mis en tête de relancer la fête en composant le plus grand tube de tous les temps. Il faut que ça s'arrête! Qu'il est beau! Oh, qu'il est beau le lavabo! Qu'il est beau! Oh! Hé ho, hé ho, hé ho! Bien sûr, qu'il est beau le lavabo, qu'il est laid le bidet. Tout le monde aura la référence. Si vous l'avez pas, c'est que vous êtes trop jeune. Oups, j'ai oublié de sauter. Et on a une prise ici. Une prise qui voudra relier à quelque chose. Mais quoi donc? Pour l'instant, on ne sait pas. Il y a une autre prise de l'autre côté. Tiens, des fourmis. Milodan! Comment allez-vous, très cher ami? Toujours à parcourir le monde avec vos amis Tikin, n'est-ce pas? Comme c'est pittoresque. Allez droit au but, hypocrite. J'y viens, vous devriez prendre des cours de politesse, ma vieille. Mon cher Milodan, Tesla m'a expliqué comment vous aviez rétabli le courant de la machine ancienne à Sanctar. C'était astucieux. Et maintenant, puisque les Tinikins se mettent à éclore depuis votre arrivée, il voudrait utiliser les Tinikins bleus pour son propre compte.
Mais rendez-vous compte, Milodan, avec les Tinikins bleus, plus besoin de partir à la recherche d'un conducteur. Vous pourriez faire fonctionner ce radiateur en partant de cette prise. Ou cette radio depuis celle-ci. Il suffirait de former une chaîne de Tinikins bleus entre une machine et une source d'électricité. Milodan, les Tinikins vous suivent, pas ce vieil escroc. Faites ce que vous avez à faire. S'il vous met des bâtons dans les roues, je me servirai de lui comme cobaye pour mes inventions. Au moins, il servira à quelque chose pour une fois. Eh ben, on retient. On faut juste qu'on trouve hein, où est la radio et où est. J'ai déjà oublié ce qu'il veut qu'on connecte. Le chauffage, sans doute, effectivement. On a combien de Tinikins là? On en a 28 bleus. Mais en tout cas, on va s'arrêter là, je pense. Je vais aller chercher les petits Tinikins verts ici. On va aller se prendre un joli point de vue par là. Parce que l'épisode est déjà bien assez long et que de toute façon, on sait qu'on ne finira pas tout ce qu'il y a à faire ici, hein, puisqu'on a vu la gigantexitude. Oui, j'invente des mots. De cette zone. Donc on va se laisser là, la suite au prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt pour la suite. Bye bye!